Ah, du coup, on n'a pas vu. Ah, si, on l'a vu en terre. Oui, c'est bon, je viens de le voir avec le replay du stream. Je fais pas gaffe à ce que je regarde en fait, des fois. J'ai ramené ça. J'ai vu que son t-shirt en avait pris un coup quand. Tu sais. Non, je sais pas. Où est-ce que t'as trouvé ça? C'était Athènes, quand il est arrivé ici. Ça devrait aller à AJ. Comment il va? Mieux, sa fièvre est retombée. Merci de l'avoir porté jusqu'ici. Pas de problème. Donc, nous avons une nouvelle serre. Et des bombes. Une idée de Mitch? J'en étais sûr. Ouais. Violette veut qu'on commence à préparer cet endroit demain matin. Bien. Ils ont l'air d'accord pour que tu restes. Pour l'instant, en tout cas. Bah ouais, je vous aide en fait. Pendant qu'on se prépare au combat. Eh bien, vous allez avoir besoin de moi pour le prochain combat. Ouais, on dirait bien. Tout le monde est d'accord pour qu'on reste. T'en penses quoi? C'est bon, il faut qu'ils se remettent. Et ensuite? J'en sais rien, Clémentine. Clem. Salut toi. Comment tu te sens? Mieux. C'est encore douloureux. Je sais. Salut, Louis. Eh, petit. Tu m'as manqué. On est de nouveau amis? Ouh, la question qui fait mal. Repose-toi. D'accord? Oh, il répond pas! Il répond pas! Louis. Je suis désolée. C'est notre faute si... t'es blessé. Tout n'est pas de ta faute. Marlon, il... Oublie. Je ferais mieux d'y aller. Non, je suis plus en colère. Et toi? Il a aidé à me porter. Et il était à mes côtés quand Ruby m'a donné des trucs. AJ, je n'ai jamais été en colère contre lui. Je comprends sa réaction. Pourquoi il ne voulait pas de nous ici? Moi non. J'avais raison. Je sais, mon grand. Parfois, les gens sont compliqués. Voyons un peu ce que Louis t'a rapporté. Ensuite, on va dormir. La journée a été longue. Ouais. James était sympa, mais j'aime pas dormir par terre. Moi non plus. Ah, est-ce que je peux pas mettre des trucs sur les murs et tout là du coup, puisque j'ai des. La porte, non. Ouais, voilà, placer le champignon. Je me demande si ça vit longtemps. C'est le crâne. Hop là. Pas mal. Je pense qu'on va rester hein, si on peut décorer la chambre. Je me dis que voilà. Bon, je vais pas les regarder, on vient de les voir. Je vais garder intact dans mon cul. Voilà. Oh, bah je crois qu'on a fait le maximum de la personnalisation. Montrer le maillot de sport Ericsson. Montrer le t-shirt disco brocoli. Montrer le t-shirt chien savant. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Il ressemble au bot de Ten. Oui, je pense que c'est le même personnage. Cool. Hé, hey, celui-là est vraiment cool. On dirait la veste de Marlon. Ouais, mais je pense qu'elle tirait bien. Hé, hey, regarde, c'est Disco Brocoli et ses amis. J'aurais aimé que tu vois ce dessin animé. Moi aussi. Celui-ci fera l'affaire. Tu pourras le mettre quand ça ira mieux, d'accord? Ouais. C'est l'heure de dormir. Je peux pas avec la lumière. Je vais l'éteindre dans une seconde. Et là non, je reste AFK devant. Voilà, regardez ça. Je peux plus sortir j'imagine. Ok, on peut ouvrir la porte alors. Bonne nuit, dors bien. J'ai juste laisse aucun rôdeur te croquer. Et s'il essaye... Bon.
Non, c'est pas ça. Il ne jure que par le flingue. Le time lapse n'est pas à égale vitesse. Il est tourné toute une nuit plus toute une journée. Non. Que dormir. Insane. Semaine plus tard. On ne sait pas combien. C'est même pas fini. Ouais. Ah, attends. Après plusieurs semaines, ils ont toujours pas attaqué. Mais c'est quoi ces pillards, hein? Moi, je les aurais attaqués le soir même. Comme ça, ils auraient pas eu le temps de se défendre. C'est leur faciliter la tâche. Où es-tu? On est toujours dans ce cauchemar là, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Mais voilà, il nous spoil quoi, on est dans le rêve, voilà, on sait que c'est dans le rêve. Bon là, on l'aurait su. Pas lui, c'est un bébé ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je faisais un cauchemar. C'est le même que d'habitude. À propos de ce qui s'est passé au ranch. Ça va aller. Donne-moi une minute. Hé, hey, qu'est-ce que t'as là? T'as fait un cauchemar toi aussi? Tu en fais beaucoup en ce moment. Je suis plus rassurée quand je suis réveillée. Je veux rester éveillée pour toujours, je suis sûre que je peux. Non. Peut-être 18 jours. Si j'essayais vraiment. Je n'ai jamais vu ce couteau. C'est toi qui l'as fait? Quand ça? Je sais pas, quand t'étais occupée. Ça a dû te prendre des jours? J'ai pas arrêté d'y penser, ça m'a changé les idées. Ah! Allez, je vais te remettre au lit. Non. T'es pas obligé de me materner. Tu me dis toujours d'être fort. Alors je le suis. Tu m'as dit d'être fort.
je le serai. Sans arrêt. T'es le garçon le plus fort que je connaisse. Peut-être le plus fort du monde entier. Je suis pas aussi fort que toi. Personne n'est aussi fort que moi. Pardon, c'est encore à toi de faire tout le boulot. Je veux leur montrer que je suis fort et intelligent, bien plus qu'eux. Je veux aider, pour que tu sois pas obligé de tout faire. Où est-ce que tu vas, AJ? Patrouiller. Patrouiller. Pour notre sécurité. Contre les méchants. Les monstres. Comme ceux qu'on croise dans nos cauchemars. Je suis pas pour, mais ok. Vas-y. Sois prudent. Je le serai. Je veillerai pour toi, promis. Ça me rassure que tu restes à côté, je dormirai mieux. Eh bien, Clémentine, tu as élevé un gosse hors norme. Sans rire, Clémentine. C'est peut-être parce que tu fais partie de ces gens qui se parlent à eux-mêmes. Oui, c'est bizarre. Bon, il a fini ses bombes, lui. Prêt à bosser aujourd'hui, bonhomme? Tu t'es couché tard? Ouais, j'ai fait 8 fois le tour de l'école cette nuit pour patrouiller. T'as trouvé un truc? Pas grand-chose. J'ai trouvé une tortue, j'ai cru qu'on pourrait la garder, mais elle était morte et il y avait des insectes dedans. C'est à moi de faire le guet. Moi, j'ai autre chose à faire. Ah ouais? Quoi? Rien, c'est... c'est important. Bordel de merde, Louis, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. J'ai pris ça au sérieux pendant des jours. Presque 2 semaines. Comme tout le monde. Alors prends sur toi. Salut. Je pensais que Lily et Abel se montreraient plus tôt. Je me demande ce qu'ils préparent. J'en sais rien. J'aurais voulu avoir plus de temps. Ça me rend malade d'attendre. Tout le monde est sur les nerfs. Besoin d'aide? Ouais, ce serait cool. Tu peux passer voir les autres et t'assurer qu'ils s'en sortent? Ouais, je m'en occupe. Merci, Clem. Je devrais aller barricader l'arrière-salle. Louis ne va pas le faire. C'est plutôt explicite. Tout le monde. Et oui. Hey, qu'est-ce que tu fais? Un test. Je dois m'assurer qu'elle fonctionne. Ce bébé va tuer personne. Je dois voir si elle s'allume. Il vaudrait mieux. Tout notre plan repose sur ton bébé. S'ils entrent, il faudra que tu déclenches la bombe pendant que je les distrais. Prévoir l'imprévisible. Ouais, un truc dans le genre. J'ai lu ça sur un de ces posters d'inspiration à la con. Il y en avait plein dans l'école avant. Quand les choses ont empiré, je les ai tous déchirés. Nice. Oh, quelle merde. Tu peux... Je me suis bousillé la main à force de me foirer. Super, hein. Recule. Explosion nucléaire. Putain de merde. Si là, ça marche pas... Putain de merde. Je sais que tu vas y arriver. Essaye encore. On n'a pas trop le temps de jouer aux scientifiques et de faire en sorte que cette merde fonctionne. Je vais y arriver. J'ai seulement besoin de temps. Du temps seul pour réfléchir. J'ai pigé. Je te laisse tranquille. Merci, en tout cas, pour ton aide. Mmh. Heureusement que ça fout la trouille aux pilleurs. Ouais, ils s'en foutent, je pense. C'est pas pour toi que je prêterai serment. On a l'air prêt pour la guerre.
nul. T'es nul. Merde. Eh, ça roule. Dans quelques semaines, jours, heures, les pilleurs seront là pour tout cramer. Nous enlever ou nous tuer. Et ça n'aura plus d'importance que je sois nul au tir. Les pilleurs ne vont rien brûler et ils n'enlèveront personne. On va y mettre un terme. Tu parles comme Marlon. Enfin, pas pour sa violence, mais pour les fois où il voulait nous encourager. Tout ce temps passé à déconner, à jouer à ces stupides jeux, pendant que mon meilleur pote devait gérer toutes ses responsabilités, tous ses choix difficiles, toutes ses nuits blanches, et finalement, cette balle en pleine tête. Et puis vous avez essayé de nous faire comprendre qui il était. AJ l'a tué. Et je vous en ai voulu. À tous les deux. Ah mais j'ai pas... Je voulais pas... J'aimerais savoir quoi dire. Je te pardonne. Je comprends ta réaction. Je t'en veux pas. C'était mon meilleur pote. Il était comme un frère. Mais ce qu'il a fait... Putain, quelle merde. Tiens. Vas-y, prends ça. T'en es sûr ? Il appartenait à Marlon. Ouais, c'est vrai. Et il l'utilisait pour défendre l'école. Avant... Avant d'arrêter. Vas-y. Essaie-le. Dans cette direction, merci. Ah, devant, je la mets dans... Entre tes deux yeux. Et pour ta gouverne, sache que si jamais tu rates, je me marre. Ah. Very marrant. C'est un peu facile là. Merde! Rappelle-moi de pas t'emmerder quand je me trouve à bonne distance avec un cercle rouge peint sur le torse. Si tu veux revenir t'entraîner, fais-moi signe. Ok? Ça me va. Et Clem, merci. Merci pour tout. Merde. Ah, c'est juste pour s'entraîner, le ramasser là. Ah. Vous savez pas, on peut pas quitter. Bon, je les tire tous comme ça. Voilà. D'accord, donc je sais que ramasser là, que ça peut s'entraîner. Bien, personne ne passera par-dessus. Alors, ok, je sais qu'à la tour des gardes, allez voir. Je vais voir autre part s'il y a quelque chose à regarder. L'objectif c'était d'aider tout le monde, alors faudrait pas arrêter quelqu'un. Il n'y a plus rien ici. Je me demande s'ils ont pensé à reconstruire après l'incendie. Chien, il est là. Qu'est-ce que tu fais là, Rosie? Bon chien. Qu'est-ce qu'il faisait, Marlon? Il y a beaucoup de succès en tout cas dans cette saison 2. On ne dit rien pour Marlon et pour Boyd. Ah, c'est quoi? Cracher! Oh là, mais quelqu'un va me voir quand je vais le faire, alors je vais pas le faire. J'espère que tu es au paradis, Brody. Je pense que c'est ça. Après, ils vont m'en vouloir parce qu'ils m'ont vu cracher sur sa tombe, ils vont faire « Ah, t'es comme le p'tit !» Non, mais en même temps, c'est tentant. Il y a personne directement Madame à côté. Martin, merci de nous protéger tous. Je sais que ça va mal se tourner en plus.
enfin, comment elle se passait. Allez, je le fais, je suis un fou. Non ? Personne m'a vu, ça va. Ouf. Nice. Allez hop. Je suis content d'avoir réalisé ce move. C'est mon move le plus héroïque que j'ai réalisé. Ok, il n'y a plus rien par là. Là-bas, je pense qu'il n'y a plus rien non plus. Non. Il n'y a rien. Ok, je vais aller voir AJ à la tour de garde. Ça va marcher, il le faut. Ah, pourquoi tu te tournes comme ça? Ah, c'est bon, prête, ok. Tu crois que Sophie et Minnie seront avec eux quand ils reviendront? Je sais pas, peut-être. Je surveille Clem, contre le danger. Tu patrouilles? Non, Clem, ça n'a rien à voir avec la patrouille. Ah bon? Je marche pas. Oh, je vois. Allez voir Violette. Le couloir est sécurisé. Comment ça se passe? Ça va? Ou, comment dire, c'est le merdier total? Ils tiendront le choc. T'es sûr? Sûr. L'école est bien gardée et tout le monde veut en finir avec tout ça. Parce que tu me fais chier avec toutes tes idées à la con. Quoi, mes idées à la con? C'est toi qui devrais t'acheter un cerveau. Non mais si tu pouvais t'entendre... Hé, qu'est-ce qu'il y a? Violette nous a demandé de préparer les pièges, mais Asim n'écoute rien de ce que je dis. C'est pas une raison pour vous engueuler comme ça. Mets-toi de ton cul. J'ai pensé remplir des sacs à dos avec des briques. Si les pilleurs entrent dans le bâtiment, on leur balance dessus. Mais notre cher Willy veut mettre en place un tronc d'arbre à lâcher sur eux. Franchement, c'est trop compliqué et complètement con. T'es trop con. Arrête de faire l'enfant. Non mais oh, j'essaie de t'aider. Eh ben aide-nous et arrête de discuter. Asim a raison, on va utiliser les briques. Ce sera plus pratique. Et mon idée alors? Non, arrête. Un enfant de 3 ans oserait même pas y penser. Même un rôdeur se rendrait compte que c'est complètement con. Quoi encore? Mec, ça va? Ouais, ça va. Merde. Putain de merde. On va tous s'entretuer avant même que les pilleurs arrivent ici. On aurait tous besoin de se détendre un peu. Hé, hey, mon gars, ça va ou quoi? Putain, casse-toi! C'est pas en faisant la gueule qu'on va repousser ces pilleurs. Ni arranger quoi que ce soit, d'ailleurs. Non mais c'est quoi ces discours à la con? Peu importe. J'ai trouvé une idée pour détendre un peu l'atmosphère. On va jouer à un jeu. Waouh. Original. Allez, viens, on va jouer. Ok, j'arrive. Si personne n'est sur la tour de garde. Jouer depuis cette nuit avec Marlon. Ok, si tu veux aller demander à Ruby de se joindre à nous, on peut attendre. Ferme-la, mec. Putain, je te jure. T'as un faible pour Ruby? On va jouer à quoi? Action ou vérité? Y a pas de carte dans Action ou vérité. Dans cette version, oui. On pioche une carte, la plus forte pose la question, la plus faible répond. Mmh. Ah, je mets le parti. On va bien rigoler. Voyons voir. Vérité. J'épouse, je baise, je tue. Vie. Ok. J'épouse, je baigne, je tue. Ruby, Asim ou James, le gars qui t'a sauvé. Oh mon Dieu. Ah. Faut répondre, c'est les règles. Voyons voir. J'épouse. James. Il a l'air mystérieux. Marrant. Tu prononces pas effrayant comme je le fais. T'as pas dit qu'il portait une peau? Genre, une peau humaine? Si c'est ça qui te rend heureuse, Clem. Je baigne. Baigne. Baigne, baigne, baigne. Baigne, 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 baigne. Ah merde, ok. Oh putain.
Oh putain. Ruby. Désolé. J'imaginais sa réaction si Clem la demandait en mariage. Hein? T'es sûr que c'est une bonne idée? C'est quoi ton problème? C'est bon. Ruby se fait baigner. Ça veut dire que tu le tues. C'est trop cool. Asim. Oh, Dieu merci. Quoi? Tu préfères mourir plutôt qu'épouser ou baigner Clem? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est génial, on rigole, on resserre nos liens. Ça fait du bien de pas penser à ces enfoirés de meurtriers qui viennent pour nous kidnapper. Merci d'aborder le sujet. Allez, deuxième manche. Ouais, mais c'est que moi qui tire. Ah non, c'est pas moi. Ouh. J'ai gagné. Le pauvre Asim perd. Action, sans hésiter. Ok, essaie pour voir. Tu dois demander un baiser à Ruby. Sérieusement? La plus légitime des actions. Ah, ok, plus. J'en peux plus. Bon, je pense qu'on a appris quelque chose au sujet de notre bon ami Asim aujourd'hui. Surtout qu'il n'a aucun charme romantique. Ta gueule. Réveillez-vous les gars, voilà la troisième manche. Ah super. J'ai compris. On a été dur envers ce pauvre Asim à l'embêter au sujet de sa douce Ruby. Ce serait normal de taquiner quelqu'un d'autre à propos de l'amour à sens unique. Donc, Clem, y a quelqu'un que tu aimes à la folie? Sérieusement? À la folie? T'as quoi, 6 ans? Ouais, c'est vrai, j'ai des sentiments pour quelqu'un. Oh, et c'est qui? Non, c'est mort. Ah. Asim, tu as la meilleure carte. Et le perdant est... Tennessee. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as jamais dit à personne de peur qu'on se moque de toi? Ah, pas mal. Je pense que les rôdeurs finiront par disparaître. Qu'ils s'en iront un jour. Le monde fonctionne en cycle, non? L'âge de glace, l'âge de pierre, et tout le reste. Donc c'est comme ça. Cet âge va finir, et un autre va commencer. Un âge sans rôdeur, comme c'était avant? Tout ira mieux. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? C'est... vraiment très beau. Je n'avais jamais imaginé ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, AJ? Je sais pas comment c'était. Vous savez tous, mais pas moi, à quoi ressemblait la vie avant les monstres. Tu sais quoi, petit? C'est pas grave si tu sais pas. Crois-moi, le monde d'avant était plutôt merdique. Et ça semble être un bon sujet pour finir en beauté. On doit retourner bosser de toute façon. Il commence à faire nuit. T'es de garde? Ouais. Après moi, c'est Clémentine. Je peux venir? Bien sûr que tu peux, mon pote. Salut. Salut. Tu veux peut-être de l'aide pour le piège à briques? Ouais, j'ai quelques idées. Cool, ça pourrait être utile. Désolé de t'avoir frappé. Bah, c'est rien. Je l'ai bien cherché. Mais oui. Je vais à la tour de l'horloge. Je veux vérifier nos défenses arrière avant d'aller me coucher. Tu veux que je vienne? Ouais, si tu veux. Tu pourras toujours m'aider si tu veux. Je suis en mission piano. Ben, je dois m'entraîner un peu avant que vous ne décidiez d'en faire du bois de chauffage. J'aimerais essayer un truc. Mais j'aurais besoin de quelqu'un. Tac. Ah, c'est quoi? Ah, on sait pas. Je suis lui.